Wat of ik denk van Amsterdam, gegrondvest op een groots verleden, is het tot op de dag van heden, als het ware een plekje goud op aarde, van ongelooflijk hoge waarde, haast net zo mooi als Rotterdam. Amsterdam, zijn grachten, zijn statige herenhuizen en zijn kanalen vormen het decor voor de nieuwe film van de Poolse cineast Roman Polanski, De wereld wil bedrogen zijn. We hadden met deze jonge en talentvolle regisseur een afspraak gemaakt in de Nederlandse hoofdstad om er enkele buitenopnamen mee te maken, maar de dag van onze aankomst werd er nu net niet gefilmd. Na de traditionele toeristische wandeling ontmoeten we dan in het havengebouw Polanski zelf, van wie we dan meteen vernamen waarom er die dag geen opnamen werden gemaakt. Monsieur Polanski, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Vous voyez le temps, le soleil, c'est-à-dire. Mais d'habitude au cinéma on attend le soleil. Souvent, mais pas toujours, pas dans notre cas. L'action du film se passe pendant une journée. Dure une journée, alors il fallait se décider pour un temps concret, le soleil ou le temps gris. Comme Amsterdam fait plutôt mauvais, fait pas beau. Et nous sommes décidés pour tourner quand il pleut ou pendant les temps gris. Depuis deux semaines, on a presque chaque jour un peu de soleil. Et on a eu deux ou trois jours de comme aujourd'hui où on ne peut rien faire du tout. À part le soleil, pourquoi est-ce que vous avez choisi Amsterdam? Notre histoire, c'est une escroquerie qui concerne les diamants. Et tout le monde sait que l'Amsterdam est une ville des diamantaires. Il y a une autre ville, Anvers, par exemple, mais point de vue cadre, l'Amsterdam est plus intéressant. Amsterdam est une ville bruyante. Est-ce que ça ne contraste pas un petit peu avec les films que vous avez fait d'habitude où on a l'impression que vous travaillez dans le calme, sur un bateau par exemple, ou dans un champ de neige? Les passants sont très difficiles. Comment sont-ils les passants? On ne tourne pas beaucoup de films ici, alors le tournage c'est toujours une attraction. Dès qu'on met une caméra sur la rue, on a un attroupement atroce, les gens veulent pas reculer, veulent pas écouter. Wij menen nu wel niet dat deze hinderende nieuwsgierigheid typisch is voor de Amsterdammers. Een cameraploeg, ook de onze niet, loopt nu eenmaal niet onopvallend door een van de drukste straten van een grote stad. Polanski en de hoofdvertolkster van zijn film Nicole Carême volgden we op hun wandeling door de Kalverstraat. Van de gedwongen rust maakte de regisseur immers gebruik om de plaats te verkennen, een belangrijke juwelierszaak, waar zich enkele tonelen uit de film afspelen. Nicole Carême, voor wie dit de eerste film is, volgt aandachtig de instructies en de raadgevingen van de kineast. Alors, la rivière sera au milieu ici, tu comprends? Tu vas passer de là-bas, tu t'arrêtes, d'abord pour regarder toute la vitrine. Ça t'intéresse comme une bijouterie, rien de plus. Après, tu remarques la rivière. Et encore une seconde après, l'idée te vient de te cadrer là-dedans. Alors, il faut que tu te mettes très précisément. Et, oui, c'est ça. Pour que le collier semble paraître ton propre cou. Mais il faut que tu fasses ça, pas pour toi, mais pour la caméra. C'est-à-dire, oui, il faut que tu vois la caméra au milieu du collier. Ça va être très difficile, mais bon, on va faire des marques, c'est vrai. Attends. Oui. Enfin, à peu près. Attends. Éloigne-toi un peu. Comme ça. Ook de omstanders wilden hiervan geen woord missen, of bleven ze misschien maar staan met de heimelijke hoop een bescheiden figurantenrol te kunnen spelen in deze cinema's co-productie. Ze had
trench coat. Between a trench coat and a hard hat, then you get pretty enough. Nicole Carême is een gewezen Parijse mannequin die haar beroep vaarwel heeft gezegd om een carrière in de film te beginnen. Ze werd door Polanski ontdekt die ons vertelt waarom hij haar voor deze bepaalde rol heeft aangeworven. C'est une jeune fille farfelue, on connaît pas son nom, on sait pas d'où elle vient, on sait qu'elle est française, mais tout est ambigu, il me fallait une personne qui soit pas connue, ça pouvait naturellement pas être une vedette. D'autre part, il fallait une fille qui soit jeune d'abord, parce que c'est une fille de 18 ans, 19 ans, mais qui peut sembler un peu plus âgée parfois. C'est-à-dire, quand elle fait un coup, elle est plus sérieuse, elle est plus femme. Quand elle fait pas, quand elle est toute seule, quand elle se promène, dans les rues, elle doit faire gamine. C'est vous qui l'avez choisi? Oui. Comment vous l'avez trouvé? Par hasard. À Paris? Par hasard, à Paris. D'ailleurs, Jean-Luc Godard doit faire un film avec elle. Et d'après, pour Lucrèce. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'elle conviendrait pour ce rôle? Son attitude plutôt. Enfin, elle est un peu comme mon personnage du film, elle est un peu comme ça dans la vie. Comment est-elle dans la vie? Et elle est un peu farfelue. elle n'est pas sérieuse. On ne m'a pas parlé de cinéma, pas du tout. Quand on s'est rencontrés, on n'a pas parlé de cinéma. C'est simplement ces derniers temps lorsqu'on a parlé de faire le sketch à Amsterdam. C'est ça. Comment est-ce que ça s'est déclenché? Il a trouvé quelque chose en vous? Il vous en a parlé Non, absolument. Mais je voyais beaucoup avec M. Brache quand il faisait le scénario. Est-ce qu'il vous impressionne? Ou bien est-ce que sa jeunesse vous met en confiance? Ou est-ce que vous auriez préféré un metteur en scène plus chevronné Sa jeunesse me met plutôt en confiance. Elle m'intimide moins qu'une personne plus âgée. Comment est-il avec les comédiens? Il a beaucoup de patience et pour moi, il m'aide beaucoup. Est-ce qu'il vous amuse? Parce que dans la vie, il est drôle. Énormément. Il est parfois cruel dans ses films. Est-ce qu'il est cruel avec ses interprètes? Pas du tout. Quel est votre personnage dans ce film? Je suis une jeune fille française à Amsterdam, un peu mythomane. Fait des petites escroqueries à droite à gauche et qui enfin fait une grande escroquerie qui vole une rivière de diamants. Jan Teulings, u bent een man die zich laat beetnemen door Nicole Carême. Is het prettig zich door haar te laten beetnemen? Ja, als u bedoelt of het een aardig meisje is, dan zeg ik ja. Als u bedoelt of ik het vervelend vind om een rol te spelen van een man die zich laat beetnemen, dan moet ik u zeggen, als acteur speel ik alles wat mooi is. Ik speel net zo graag een SS'er als een man uit het verzet en net zo graag Ons Lieve Heer als de Duivel. Dat is des acteurs. Ja. Neemt Nicole Carême u nu werkelijk beet? Ja. Ik geloof niet dat ze dat met opzet doet. Zij heeft nu eenmaal het karakter van een avonturierster. Het is een eenzaam meisje. Het is een... Ja, met alles wat ze pakt en steelt en gekke dingen doet, is het toch een eenzaam figuurtje. Ça se termine comment? Ça se termine, je pars avec la rivière de diamants et je rencontre un marin dans la rue qui a un toucan sur l'épaule et je lui demande le toucan. Il ne veut pas me la donner, alors je lui propose la rivière de diamants en échange. Il dit non. Alors je sors quelques florins de mon sac et je lui dis et ça? Alors il dit oui, d'accord. Alors il prend la rivière et les billets et il me donne le toucan. Je pars avec le toucan. Eigenlijk geloof ik dat Polanski daarmee bedoelt dat ze dan een levend wezen bij zich heeft. En dat iets wat levend is haar dus liever is dan een ding van diamant en goud. Dus ook weer de eenzaamheid, het elkaar niet kunnen raken. Is dat het slot van de sketch? Dat is het slot van deze film. Dans la vie, vous êtes optimiste, mais au cinéma, qu'est-ce qui est une bonne fin pour vous?
Je crois que je suis moins optimiste dans le cinéma que dans la vie. C'est-à-dire en mettant une fin une fin heureuse, un happy end, je me sens plutôt déçu. J'ai peur d'une bonne fin. Pas seulement pour mes films à moi, mais parfois je suis dans le cinéma et d'un côté je voudrais que ça se termine bien, parce qu'on veut, si on suit bien l'action, on veut que ça se termine bien. D'autre part, on se demande si ça se termine bien, ça va être décevant. Daar de regendagen op onze breedtegraad nooit lang op zich laten wachten, kon dan enkele dagen later met de definitieve opname een aanvang worden gemaakt, hoewel een toemaatje van de Amsterdamse brandweer toch nodig bleek. Een van de belangrijkste scènes uit de film is de eerste ontmoeting tussen Nicole Carême en haar mannelijke partner Jan Teulings. Dit gebeurt terwijl beide aan de Keizersgracht het ophalen volgen van een in het water gesukkelde bestelwagen. Voor de behoefte van de film moest deze er natuurlijk eerst worden ingedompeld. Voor deze film, een co-productie van 5 verschillende landen, is de Nederlandse producent Paul Keizer. Producer Paul Keizer, komen er veel co-producties tot stand in Nederland? Daar kan ik u een gemakkelijk antwoord op geven. De film de Plus Belle Escroquerie du Monde, die zal worden uitgebracht onder de titel De Wereld Wil Bedrogen Worden, is eigenlijk de eerste internationale co-productie die in Nederland wordt gemaakt. En de Nederlandse sketch, het Nederlandse gedeelte erin, dat wordt geregisseerd door Polanski, heet Het Diamanten Collier, iets dat dus wel zeer typisch Amsterdams is. En daar raak ik dus mee het probleem van, komen er veel co-producties tot stand? Ze kunnen alleen tot stand komen wanneer het onderwerp, wanneer de achtergrond en wanneer de gehele sfeer van een film daartoe aanleiding geeft. Het heeft weinig zin om de karakteristiek van een land zonder meer verloren te doen gaan in een co-productie. Om alleen een co-productie om financiële redenen te maken. Een co-productie heeft naar mij dan pas zin wanneer de landen die de film samen maken ook daadwerkelijk beide in de film belangrijk zijn vertegenwoordigd. Ondertussen gaan de opnamen verder. Jan Teulings, die bij de scène aan de Keizersgracht het schone kind in de gaten kreeg, rijdt haar achterna in zijn Amerikaanse slee met de bedoeling het meisje mee uit te nemen voor een ritje. Nu, het duurt wel een tijdje eer ze zich gewonnen heeft en deze aarzeling krijgt een concrete uitbeelding in een combinatie van opeenvolgende travelings over 3 bruggetjes. De hobbelige straten van Amsterdam maakten het de cameraploeg niet gemakkelijk. Het waren momenten van intense arbeid, al lijkt het wel niet altijd zo, en ook de zenuwen werden vaak hard op de proef gesteld. Regisseur en producer kregen het wel eens met elkaar aan de stok. Wij vroegen aan Paul Keizer of hij met deze productie van De Wereld Wil Bedrogen Zijn zelf niet vreesde bedrogen uit te komen. Voor zover ik het uit ervaring kan beoordelen, geloof ik wel dat Polanski ook ditmaal weer een film zal afleveren die, laat ik zeggen, zijn naam eer zal aandoen. Polanski is niet een gewone regisseur. Polanski is een regisseur met zeer speciale ideeën. Polanski is een man die een bepaalde karakteristiek in zijn film legt. Dat doet iedere regisseur wel, maar bij Polanski zou ik willen zeggen, Polanski is eigenlijk de man van het absurde toneel. In hoeverre regisseur Polanski in zijn opzet zal geslaagd zijn, laten we aan het oordeel over van kritiek en publiek.